régional et intercontinental. Daouda Sidiki Diarra dans les détails. La formation en journalisme d'investigation axée sur les questions migratoires qui a débuté ce lundi est une première au Mali. Elle sera couplée à une série d'enquêtes de terrain qui vont aboutir à un ensemble de reportages. Travailler sur la migration, ça veut dire aussi dépasser les clichés. Ça va aussi dire bien chercher des histoires de succès, de satisfaction. Mais c'est toujours regarder un peu plus profond. Et si ce séminaire contribue, qu'il vous fait encore des reportages meilleurs, plus intéressants, je crois, pour votre société, pour les électeurs, pour tout le monde, ça sera un gain. Cet atelier international qui doit durer 5 jours s'inscrit dans le cadre du projet Sans Papier, Cliché Livre Voix, mieux informé sur les migrations. La session qui regroupe des journalistes venus de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de France et de Bamako est financée par l'Union européenne et la coopération suisse. La migration rapporte beaucoup au Mali, mais je dois dire aussi que la migration comporte aussi certains inconvénients. Et la politique que le gouvernement voudrait mener en la matière, c'est de faire en sorte que la migration soit un atout pour le développement de notre pays. La cérémonie a également enregistré la participation de certaines autorités locales des zones les plus touchées par les migrations à Dakar, des agents de coopération et des responsables des instituts panafricains de l'Ouest. Actualité hors.